Accrochez-vous pour d'autres cascades au kilomètre 107, au fameux rocher du Claps. On les appelle les traceurs ou les as du parcours. Tous les étés, ils délaissent leur terrain de jeu habituel, la ville, pour se mesurer au Claps. Ça veut dire rocher en occitan. Il y a plus de 500 ans, toute une partie de la montagne s'écroule pour offrir ce décor sauvage au cœur de la Drôme. Pour le plus grand bonheur de ses descendeurs de l'extrême. On fait des mouvements complètement différents de ce qu'on a l'habitude de faire en ville. Il n'y a plus aucun angle droit, il n'y a plus aucun mouvement identique. Tout est différent, il faut s'adapter en permanence. Et comme le parcours, c'est l'adaptation, on ne fait jamais deux fois le même saut. Je pourrais traverser 300 fois l'endroit, je vais utiliser 300 fois des chemins différents. Une valeur qui est vraiment importante au parcours, c'est être et durer. On n'est pas des casse-cou, on n'est pas des personnes qui risquent leur vie à chaque saut, parce que tout ce qu'on fait, on doit être sûr de le réussir. Esprit de peloton, on peut dire esprit de groupe? Esprit de groupe, pas mal. Il y a une petite nuance dans le parcours, c'est-à-dire que nous, on a un esprit de groupe qui est très très fort. Mais on va plus avoir une recherche de l'émulation de groupe, où on va chercher à tous se motiver ensemble, plutôt qu'un esprit de compétition. Bourg de péage, Gap, une étape revisitée grâce à une bande de potes sur ressort et à la famille en or du virage Armstrong. Et demain, qui sait, ce sera peut-être à votre tour.